Bonjour les Minecraftiens, ici c'est LB35 pour la suite de notre survie sur Minecraft vous êtes offert. C'est la saison 3 comme d'habitude, on est toujours échoué sur cette madafucking île déserte. Et comme vous voyez, Tinjoff a un petit peu refait la maison. Salut Tinjoff d'ailleurs. Salut. Et salut Ben13. Bonsoir. C'est joli maintenant, et j'ai pas fini la salle des coffres. Ça manque un peu de musique. Donc... Alors... Moi j'ai récupéré des trucs pour les potions en attendant. Aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait les amis? Moi j'aimerais bien construire de moi j'avais vu un truc en baladant. J'avais vu un truc en baladant, un marais. Un joli marais. Un joli marais? Ah ouais bon. C'est l'idée du jour, on va explorer un petit peu. Moi je vais manger de... Je viens, j'aime bien. Aïe. Je prends quelques blocs sur moi et j'arrive. D'ailleurs tu es où Ben13? Je suis en grotte comme toujours. Ah, bah rejoins-nous rapidement alors. Oh, et puis... Et vous savez quoi, j'ai enfin fusionné mes épées. Ah bah, c'est cool. Maintenant, elle est surpuissante, mon épée. Moi, j'ai une sharpness 2. Ah bah, moi, elle est 3. Donc, j'ai affûté deux fois mon épée, hein, c'est un peu chiant. Et j'ai capturé... Des défenses magiques, des orbes, des machins, l'outil de navigation qui me fait un bruit signalant bien qu'on a perdu la communication avec Ben13. Il s'est éloigné trop loin sans doute. Mince, donc là Ben13 on va avoir du temps soir. Avant de le retrouver. Aïe. Bon bah Ben13 nous rejoindra quand il le faudra, hein, malheureusement. On va y aller quand même. Hein. Il me veut du mal. C'est Quasimodo, on a capturé un bébé zombie parce que bon... C'est moi qui l'ai capturé. Hein. Coucou quasi. Ça va bien? Il me veut du mal. Ouais, bon, faut lui de la paix, hein, je pense que. J'ai déjà tapé un petit peu pour le faire rentrer dans l'enclos alors. Allez. En fait nos problèmes de nourriture vont être corrigés bientôt vu qu'on a trouvé le moyen d'exploiter la base de Mr. Fanax. Hein, dans le plus grand secret. Non, et si vous voyez que quelqu'un l'a proqué, c'est pas moi. Ouais, on lui a fait une petite farce. Hein. C'est toi qui as lui aidé, mais c'est moi qui l'ai fait. Ouais. Il a fait une magnifique spirale de stone bricks sur son couloir. Allez, je te suis Tinjoff, hein, je crois que tu sais où c'est. Oh tiens, une grotte, j'avais pas vu. On va éviter de se disperser, on va aller à se marrer. Oh punaise, bon, on vérifiera ça. Oh un poulet, crève. Ah t'es là, tu vas me semer là, ne meurs pas trop loin s'il te plaît. Eh merci. Ah non. Alors, je t'ai vu. Hein. Je crois que c'était par là. Hop. Cochon, yeah. Oui, moi je passe sur les arbres. Merde. Oui, monsieur. Ah, on a reçu la communication avec Ben13. Bon, rejoins-nous vite. Hein, sur mon outil de navigation, on serait aux coordonnées 241 400. Oui. Alors je vais venir. Salut, tu pourrais. Ah, tu es où? Tinjoff? Devant toi. Où es-tu devant moi? Oh poulet. Je te vois pas sérieusement. Poulet. Attends. Ah, il fallait passer par là devant, derrière. J'ai cru te voir. C'est là. Tu es là, mon. Attends deux secondes, je vérifie quelque chose. C'est bien ces environs là. D'ailleurs je veux récupérer mon poulet là. Voilà. Merci. Ouais. Par là le marais, il est un peu plus loin, là il est caché par cette petite colline. Tinjoff, attends moi s'il te plaît. Tinjoff. Voilà. Et tu sais ce qu'on appelle un easter egg? C'est ça. Ah. Très drôle. Bon, bah, maintenant je te laisserai te laver quand tu arriveras à la maison. Hein. Je vais me laver tout de suite dans le marais. Dans le marais. C'est sûr tu vas être propre. Il est pas sale ce marais, hein. Il est propre hein, par rapport à d'autres que j'ai déjà vu. Regarde. Ah mais oui c'est vrai, c'est un marais assez soft ça. C'est un genre de marais. Mais c'est un petit marais. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, regarde. Une petite. Qu'est-ce qu'il y a? Toi de pas. Il y a une maison. Ninja. Enfin de la civilisation. Ninja. Enfin quelqu'un. Je vais l'approcher Ninja. En espérant qu'il soit pas mort là-dedans. Hein. Un cadavre. Bougez-vous, barbare! Cassez-vous de ma maison! Bordel, c'est qui? Je rentre dans sa maison! C'est le B?
Mais que fais-tu là? Golem? Eh bah tiens, qu'est-ce que tu fous là toi aussi? Mais comment ça se fait? Toi aussi qu'est-ce tu es bloqué sur cette île déserte? Bah oui. Toi, casse-toi de ma maison. Et je pense que tu dois savoir à peu près comment, on en avait parlé à un peu tout le monde. Hein. On venait récupérer Tinjov justement à la suite de sa capture par les creepers plongeurs. Ah, j'en ai entendu parler, oui. Et toi, t'es venu ici comment? Juste pour savoir. Il était sur votre avion quand vous êtes arrivé. Mais comment tu suis? Bah, j'étais sur l'île et je regardais. Il a vu notre arrivée à cette époque. Merde, je me suis fait griller. Clandestin. Bon, bah, vu qu'il est là, de toute façon, le mieux c'est d'intégrer notre groupe. Hein. De toute façon, nous on a des ressources bien plus évoluées que toi, apparemment. T'as été un peu plus lent que nous. Un peu. Je suis qu'un pauvre réfugié politique. Je suis caché. En tout cas, on va te partager nos ressources et tu entres officiellement dans notre groupe. Tu entres dans la MC4T. Je suis donc, discret. Des fleurs. Qu'est-ce que tu fous là, Tinjov? Dommage que je suis. Je sais pas, je m'ennuyais. Flèche dans la face parce que ce serait trop dangereux. Aïe. Oh mon dieu. Il s'est fait très mal, faut le ramener à la maison immédiatement. Oui. Suis-moi, golem. D'accord. Oh, il est lourd, l'animal. Tu veux que je t'aide à le porter? Vas-y. Un animal, bordel de merde. C'est lourd. Il est encore conscient. Tu pourrais... Je sais pas. Ouais, non. Je pense pas que tu vas réussir à marcher tout seul après une chute de 10 mètres. Allez, on te ramène à la maison. Bon, les viewers, ça va être un peu long. Donc on se retrouve une fois qu'on l'a transporté, l'animal. A tout de suite. Re les amis, on a réussi à ramener Tinjov et il a repris un peu de poil de la bête et commence à casser sa conscience. J'ai pas une bête. Tu n'es pas un animal? Ça oui. Part alors. Il est comme c'était un animal. Tu vas crever. Non mais. Et arrête de poser des blocs. Je suis en train de détruire ça. Parce qu'il a eu une meilleure idée, le bougre. Mais c'est très bien pour le temple, pour la jewelry industry. C'est pas un temple, c'est juste un immeuble. Ah, un immeuble. Pas assez moderne pour Joris, hein. De toute façon Joris il est hyper capricieux. Alors on casse tout, on défonce tout. Et d'ailleurs, Mr. Fanax, merci pour le feu de forêt. Monsieur. Il n'y a pas l'air de trop se propager. Ça fait déjà quelques minutes que nous sommes avec les viewers. Déjà chier. Et je devrais dire c'est que un si temple maya. Ce putain de marais. Qu'est-ce que. Et je te rappelle que si j'avais pas trouvé ce putain de marais, on t'aurait. Oh là, l'outil de navigation. Je t'aurais dépéri tout seul dans ta maison de mer. Moi, ma pioche commence à souffrir, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller réparer mes armes. Pendant qu'il y a un immortel, ouais. Je vais le tuer avec 3 points de vie. Bon. J'y vais. Qu'est-ce qu'il raconte? Je crois qu'il est devenu un peu fou. Ouais, c'est un peu comme le système de succès de Fanax. Ah. On devient tous complètement tarés sur ce genre d'île en même temps. Hein. Ça peut se comprendre. Évite d'attaquer, c'est... Je suis aveuglé. Aveuglé? Je ne vois plus rien. Il est très faible. Faut que tu trouves une source d'eau et que tu boives un peu d'eau. Regarde, t'as une créature derrière toi. J'ai une bouteille d'eau sur moi. Bois-en et fais très attention à toi. C'est normal. Ah, pourquoi je ne vois plus rien? Tu dois être très très faible. Hein. Aïe. Je te laisserai pas tuer moi. Ah, tu veux faire un combat d'archer? Vous êtes légèrement maltraité, il me semble. Ah, bah, j'y peux rien. Je te... Dans la j'y tête. J'y peux rien. Ça me fait souffrir très très mal. Bon, rejoignez rapidement la maison et faites très attention à vous. Et n'oubliez pas que si vous êtes très faible, buvez un peu d'eau et vous sentirez déjà beaucoup mieux. Mais faites très attention à ne pas vous tuer déjà. Plus il me reste très peu de vigueur. Non. Et j'ai l'impression qu'il est coincé dans un jeu vidéo, ce mec. Il a un grave problème. Non, le creeper, tu pèteras pas. Bon, maintenant, j'ai envie de l'avoir laissé rentrer dans la team. Hein. Je défaille, je vais mourir ici maintenant.
Non, ça je ne le laisserai pas faire. Donc je vais ramener les quelques potions expérimentales que j'avais faites et je vais te les faire boire. Je ne suis toujours pas mort. C'est moi qui les ai principalement faites. Ah, c'est là, je crois moi. Que je commence. Je ne suis toujours pas mort. Je résisterai jusqu'au bout. Je crois que je commence à avoir le même problème que Fanax, hein, avec des succès. Ouais, bois de l'eau, bois beaucoup d'eau. Merci. De l'eau, enfin. Et tu mords les fumes. Allez. Mais bordel! Laissez-moi travailler en paix, bordel de créature de. Voilà. Je m'auto-censure. Ah, ça va déjà mieux, merci. Allez, je vais peut-être prendre la nature. Hein. M'auto-censure. C'est habituel pour nous maintenant. Hein. On se fait assaillir! Ce n'est pas possible! Ah bah c'est la nuit, c'est normal. C'est comme ça tous les soirs hein, pour nous. Hein. Ce serait bien de dormir un bon coup, ça nous ferait du bien. Au lieu de crapahuter dehors là. Avec des monstres. Oui, mais des... avec où dois-je dormir? Viens, tu viens avec nous. On va dormir, tous. Allez, on va dormir. Moi, j'ai plus simple, je sais où je peux dormir. Oh, une pomme d'or. Tu sais où tu peux dormir toi aussi? N'y touche pas! On a pas assez de lit pour tout le monde hein, là. J'ai pris le lit pour résurer. Wait. Pour résurrectionner. Résurrectionner. Ça se dit pas trop, mais bon. Putain. Allez donc. Bon, bah, tout le monde au lit. Je vais dormir ailleurs, moi. Dormir ici. J'ai pas envie de dormir dans un lit avec quelqu'un d'autre. Moi, j'ai trop peur. Je vais dormir ici. Dodo, allez, on attend que la nuit passe. Moi, je vais m'endormir. Ça va prendre un peu de temps, c'est un petit peu loin. Gros, je vais dormir chez Fanax. Hein, parce que fun. Ah, c'est déjà le matin. J'ai passé une nuit blanche. Ah, c'est quoi ce bruit? Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Un zombie. Ah. Encore un! C'est une véritable invasion ici! Ah bah, l'île est maudite! Et je vis ici depuis plus longtemps que vous, je vous signale. Depuis combien de temps? Plusieurs ans. C'est vrai? Oui, vous êtes long à chercher. Ah ouais. Ça faisait un an que j'avais disparu, vous m'avez pas cherché tout de suite. Mais ça fait pas un an, ça fait pas plusieurs ans. Oui, mais ça fait un an que j'avais disparu. En tout cas, moi, ce repos m'a et bien refait. Ça va bientôt. Ils sont pleins de vie. Bon, ok. Ça fait plus d'un an, si tu préfères. Plus d'un an. Je suis arrivé. Allez. Donc, ça, c'est et je me suis débrouillé jusqu'à maintenant. Je vois un grand édifice au loin. Qu'est-ce donc? Ça dépend vers où tu te diriges. Ben, vers ma tête. Non, la créature. Non, tu ne pèteras pas. J'arrive. Je vais te protéger au péril de ma vie. J'arrive. Alors, ces créatures, j'ai remarqué une chose de marrante avec elles. C'est qu'elles ne peuvent viser qu'une personne. Et qu'une fois qu'elles l'ont visée, elles la lâchent plus, à moins de plus du tout la voir. Tu devrais noter ça dans un livre. On n'entend pas beaucoup. Oui. T'as rien à dire, peut-être. Oui. Malgré le fait que t'aies réparé ton outil de navigation, d'ailleurs, et que maintenant, on t'entend beaucoup mieux qu'avant. Oui. Ouais. Oui. Tu es relativement assez maladroit, tu le casses régulièrement. En effet. C'est parce que les méchants bêtes de l'enfer me l'ont cassé des millions de fois. Arrête de trouver des excuses. J'avais même pas encore disparu que t'arrivais déjà à le casser. C'est pas grave. Maintenant il est réparé, on va essayer de tenir réparé le plus longtemps possible, hein, Ben 13. Ah, il est cassé. Non, je blague. Je crois qu'il y a des techniques de réparation en plus. Casse. Anti-casse. Cassage. Il y a moyen d'acheter un nouveau micro, mais bon, là on est sur une île déserte, donc il y a que la réparation du micro de l'outil de navigation possible. Hein. Le reste ne l'est pas. Et je me l'ai avec ça. Hein. D'ailleurs, j'ai essayé de vous contacter une dizaine de fois. Je me demande si vous avez déjà reçu mes trucs. Alors, pour qu'on vienne te chercher, on savait pas trop où aller en fait. Vous y êtes complètement allé au hasard.
On y est allé un peu au hasard et visiblement, vu que cette île est hantée. Vous avez, en gros, vous avez suivi la route que mon yacht aurait dû suivre, c'est ça? Ouais, en gros, c'est ça. C'est à peu près ce qu'on a fait. Et puis, vu que l'île est maudite, au lieu d'avoir des creepers plongeurs, nous, on a eu des creepers parachutistes et ça a été assez lol. D'ailleurs, notre pauvre PNJ, la tronche qu'il a tirée, je me souviens. Il est mort? Ah bah, évidemment qu'il est mort. Il est tombé dans l'eau. Il s'est noyé, le pauvre. Non, pas noyé. Il s'est éclaté sur l'eau. C'était un peu dégueulasse. Ah. J'en garde de mauvais souvenirs. Il devait être... Je vais récupérer de la terre pour terraformer tout ça. Le mec, on survit et lui, il fait du terraforming, quoi. Mais oui, mais forcément. Parce que son terraforming, c'est comme sur la Lune, imaginez. Ouais, si tu terraformes pas le terrain, il est pas vivable. Ouais, c'est vrai, mais sauf que là, tout est relatif. On est quand même dans un monde relativement vivable. Mais non, mais non. Mais si on ne terraforme pas, la végétation va s'emparer de l'île. C'est vrai. Et la circulation... Sauf que t'as déjà fait un briquet, et moi, j'ai de la poudre d'os. J'ai plus de briquet. T'as plus de briquet? Il faut une recharge à essence, alors. Eh non, mais les briquets, c'est des briquets de fortune. En silex. Hein. Et avec du fer, aussi. Je comprends. Quelle est donc cette étrange châle? Eh, t'as dit que t'avais plus de briquet? Tu veux ce briquet-là? Je l'ai fait en double pour toi. Merci. Cette salle étrange avec un espèce de portail. Ah, il envoie des ondes maléfiques. Fais gaffe quand tu le manipules, celui-là. Ouais. Copain, Ben 13. Et ça fait quoi? Copain. En gros, ça s'emmène en enfer. La routine, quoi. Copain. Oui. Il veut mettre le feu, Ben 13 veut mettre le feu. J'ai officiellement réparé mes armes et j'ai quasiment 64 os. Ce serait bien de faire quelque chose de ça. Peut-être pas de la nécromancie. Ouais, maintenant, il y a un avantage. Il y a une isolation et la maison peut plus brûler. Voilà, je peux enchanter une épampière. Ouais, bon, je sais pas 13. Si c'est la meilleure idée. Non, Ben 13. Non, Ben 13. On se calme avec le briquet. Bon, je vais dire rapide d'eau. Ah, je vais mourir. Un point d'eau, moi. Non, ne t'en pas, Golem. Ce sera con de mourir aussitôt. Hein. Oh. Tiens, des carottes. Ou bois de l'eau, Golem, sinon. Bois de l'eau. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est... Ça va mieux, mais je me sens très faible. Bah, bois de l'eau. Bois de l'eau. Mais où, ça? Je ne pars jamais en enfer sans boire mon Evian. Tu bois. Je ne vois plus rien. Suis-moi. Non, de l'autre côté. De l'autre côté. J'ai une idée. Est-ce que si je broyais mes os, je pourrais en faire de l'engrais? Peut-être. Non, je crois que c'est une technique utilisée par les primates sauvages. Tu me suis Je ne vois plus rien. Ah oui, c'est bon, je te vois. De l'eau. Water. Bon, moi je prends mes deux bouteilles vides. Water, fuck. J'ai déjà quatre bouteilles sur moi. Ah ouais, tu peux m'en donner une. Comme ça on aura trois chacun. Je dois boire d'abord, je me sens si faible. Vu toute la poudre d'os que j'ai, je vais pouvoir faire pousser rapidement les plantations. Mais l'eau n'a plus aucun effet sur moi, est-ce normal? Tu joues très très mal. C'est pour les rimes en hal, hein. C'est pour le lol. Non, si l'eau n'a plus d'effet sur toi, c'est parce que, je sais pas... Moi, ça me donne de l'énergie de boire de l'eau, hein, personnellement. Faut bien boire de l'eau avant d'aller manger. Moi, je suis sûr qu'il plaisante. Ouais, ça se voit, j'ai l'impression qu'il jouait. Ah, ça va mieux. Et d'ailleurs, regarde-moi à quoi je ressemble. Oui, je suis là. Est-ce que l'appareil de communication de Ben 13 est encore en état? Ouais. C'est juste qu'il est pas très bavard en ce moment. Il y a trop de monde, peut-être. Peut-être. Moi, je pense que ça doit être l'île, ça le renferme. Et j'ai trouvé un nom pour l'enfer parce que l'enfer pour moi c'était autre chose, c'était encore pire que ça. Eh ben, on va l'appeler le Nether. Nether. Il me semble que ce mot avait déjà été évoqué par Mr. Fanax, je sais plus pour quelle raison. Ah, je me souviens, c'était pour les bêtes à frites qui s'enflamment. Il les avait dit qu'il vivait dans le Nether. Bon, je dois y aller avec mon épée en pierre? Attends, tiens, viens là, suis-moi. L'épée en pierre, bon, si j'étais toi, je ferais une épée en diamant. Mais viens, avec quel regarde dans ce... Aïe avec Ben 13
Arrête de te mettre le feu mais, tout seul. Mais on, il nous en reste plus beaucoup, donc... Non, là, viens voir. Sur Yéman. Non. Aïe. Ben 13. Pourquoi tu m'enflammes, Ben 13? Parce que le Japon, hein, faut pas chercher avec Ben 13. Ouais, alors, viens. Tu veux Ben 13, cherche pas, tu peux pas tester. Tu veux un bout de mon épée? Regarde dans ce coffre. Ah oui, quand même. C'est déjà mieux. De toute façon, si tu veux donner un coup d'épée avec ça, je te confisquerai ton épée et éventuellement je te. Non, non, celle d'en dessous. Celle d'en dessous. Il y en a une qui est mieux. Avez-vous trouvé de la vie vivante à part humaine sur cette île? On a des vaches, on a des poulets, on a des cochons. Des petits animaux, ouais, des choses comme ça. Il y a aussi une créature étrange qu'on appelle sorcière entre nous qui nous balance des potions étranges qui font mal. Des potions? C'est bizarre. Ouais. D'ailleurs, depuis qu'on est parti dans ce monde d'enfer et qu'on a réussi à en conquérir la forteresse, on peut en faire nous-mêmes des potions. Grâce à moi et à Mr. Fanax, eh ben on fait des potions. Viens, descends un peu plus bas. Décrète pas que c'est grâce à toi et Mr. Fanax, hein, quand même. Moi, je t'ai bien aidé à combattre la forteresse. D'abord, je me te rappelle que c'est moi qui l'ai trouvé en 2 minutes, pendant que toi, t'avais une vingtaine de minutes à la trouver. À rien trouver, même. Ouais. Certes. Mais ne vous disputez pas, mes amis. Alors, je vais me refaire une armure. J'en ai une déjà, je crois. J'en ai fabriqué une en trop. Hop. Garde-la pour toi. Non, fabrique. 31 blé, c'est tout ce que j'ai en claquant 3 stacks de bombes. De range sur le stuff et armes. D'accord. Je trouve cette base très organisée. Vous n'êtes pas des experts de la survie, par exemple? On a quand même déjà pas mal survie, notamment dans la saison 2, donc... La saison 2, l'hiver? Survécu. Attends. Non, tu ne comprends pas le délire, en fait. Ce qu'on appelle saison 2, c'est parce qu'on faisait des simulations de survie, en fait. On en a fait 2 au total sur la chaîne de la MCK Team. Sauf que cette fois, c'est pas de la simulation, mais bon, on a déjà quelques rudiments. D'accord. Donc moi je garde mes restes d'armure. D'ailleurs, notre survie sera publiée et actuellement j'ai un caméscope toujours coincé sur l'épaule et d'ailleurs ça fait mal de temps en temps. Et Golem. Nos aventures pour les monter plus tard et pour que nos amis viewers les voient. D'ailleurs c'est peut-être eux qui regardent cette vidéo actuellement. Ça se trouve c'est eux. C'est moi qui ai aménagé tous les tunnels et la base, la forme générale, à part la salle de lit, des lits, c'est CMB qui l'a faite. Mais sinon, oui. Tout le reste, c'est moi. Tout le reste, c'est moi, la déco. Ah bah, si j'avais pris le temps, j'aurais fait plus. Hein. T'aurais pas pu faire aussi beau que moi. On m'a déjà dit que Selby était un peu vaniteux. Comment ça? Allez, viens. Rentre dans ça, je serais un peu vaniteux. Qu'est-ce qui te fait dire que je serais un peu vaniteux? Oh, il y a des gens... Des rumeurs, des... Mais il faut pas écouter ça, c'est des conneries. Mais oui, il faut pas écouter ça, voyons. Alors, pour sortir, je crois que c'est par là. Voilà, c'est par là pour sortir. Bien. Oui. Je crois que t'as perdu. Il fait très chaud ici. Tu n'aurais pas des bouteilles d'eau, par exemple? Oh là là, les coffres sont maudits, j'arrive plus à les ouvrir. Alors, fais gaffe. Mais 13, comment t'as réussi à téléporter là? Oh là, des choses bizarres se passent ici. Arrête. Viens, monte. Mais 13 est toujours ici. Aïe. Bon, bah, tu montes, Golem? Putain. Oui. Putain, mais ne sérieusement, jamais ces genres de cochons humanoïdes décomposés. Ne les Est-ce que vous avez des montres ici? Hyper faible. De quoi? Avez-vous des montres ici? Une montre? Non, on se repère au soleil. Et dans ce monde, les montres. Des traques. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça marchera pas. Ah bah tiens, Ben 13 a déjà essayé apparemment. Suis-moi, Golem. Oui. Suis-moi, je vais te mener à un truc que j'ai trouvé en 2 minutes. Pendant que CMB qui suivait Fanax, qui lui en avait aussi entendu parler, a mis 20 minutes à rien trouver. 20 minutes à rien trouver. Je crois qu'on m'appelle loin. J'ai un rêve, une vision. Une vision? What the fuck? Moi je suis. Je dois y aller. Il doit partir. What? Ouais, mais d'ailleurs la vidéo commence à être longue au niveau du film, donc je vais stopper notre enregistrement ici. On va continuer à survivre après, hein, sans doute. Bah, tout ouais, on en fera un deuxième tout de suite après.
What the fuck? On va pas faire une vidéo tout de suite après, non, je pense pas. Mais en tout cas, on continue de survivre vu qu'on n'a pas le choix. Bon, allez, je vous remercie du visionnage, les amis. N'hésitez pas à partager tout ça, vu qu'on souffre grave, nous, hein, on morfle nos races. Donc j'espère que vous nous le rendrez bien quand j'aurai publié vidéo. Donc sur ce, je vous dis au revoir, c'était CLB.